Bonjour tout le monde, chers abonnés, chers amis, chers viewers, soyez les bienvenus aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Ghost Recon Future Soldier. Donc l'épisode numéro 4, et oui 4 les amis, ça y est, ça fait déjà 4 épisodes que nous sommes sur ce jeu de guerre qui est vraiment super bien, moi j'aime beaucoup. Qui est très très fluide sur PC, donc vous voyez, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc j'espère qu'en tout cas vous allez super bien et que vous êtes ravis de retrouver ce jeu. Donc aujourd'hui les amis, nous allons continuer un petit peu la campagne que nous avons commencé l'autre jour, qu'on avait terminé, on avait fini le monde de... C'était pas la Zambie, je crois, il me semble. Je crois que si, je sais plus en fait du tout ce que c'était. Enfin bref, aujourd'hui on va continuer une nouvelle campagne, donc un nouveau monde. Vous allez voir, c'est le Tiger Dust Recruit. Non, Tiger Dust Recruit, je crois que c'est une partie de nous, hein. Ouais, enfin bref. Donc nous c'est parti, on fait continuer la campagne dans 4 secondes les amis. Nous y allons et on va voir ce que cela nous promet. Voilà. Donc la fois que je vous ai laissé ici les amis, il y avait une belle cinématique et je vais vous laisser la regarder quand même parce que c'est plutôt très important. Alors il nous marque la touche 3 les amis parce qu'il marque les touches du clavier. Mais vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Nous sommes sur PC mais avec une manette Xbox. Donc voilà quoi, il a pas voulu noter la manette Xbox. Je sais pas pourquoi, enfin bref. Des fois je cherche pas à comprendre avec ce jeu, vous savez, il est tellement des fois un peu bizarre, oui, que... Il m'en fait voir de toutes les couleurs. Donc allez, c'est parti. Donc vous savez les amis, je l'ai mis en 1080p pour que vous ayez vraiment une belle image. Et 60 fps constant, comme ça. On a un jeu fluide et vous voyez exactement ce que je vois moi. Donc je vous laisse regarder la cinématique qui est super belle. Je comprends que tu sois secoué après ce qu'on a vu, mais garde la tête froide. Ils étaient foutus bien avant qu'on arrive. Hé, hey, vous devez faire la queue. Tu vois, il a pas dû apprendre les bonnes manières, lui. Et tu veux peut-être me les apprendre, gamin. Oh. Désolé, on est à l'ouest, ça fait 72 heures qu'on n'a pas dormi et on vient de rentrer d'un village où on a vu plein d'enfants morts. C'est notre faute. Ah, ok. Alors passez devant, les gars. Calme-toi. Connard. Arrête, ça sert à rien de s'énerver. J'ai que ça à foutre de poireauter. Oh là 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 là. Alors vraiment, lui, il nous a cherché sans savoir qui on est. La base aérienne de Rammstein. Il sera rapatrié dans la foulée. Entre-temps, il nous a livré des infos de premier ordre. Messieurs, on y voit déjà plus clair. Les trois lignes de livraison remontent au même fournisseur. Un trafiquant d'armes du Pakistan qui opère à l'international. Vous serez déployé à Peshawar, la plaque tournante du commerce illégal entre l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Afrique. Notre homme est un trafiquant de premier plan. Il donne dans le trafic de matériel et de technologies militaires, voire de matériaux radioactifs. Nous devons à tout prix l'appréhender. Sur ce coup, nous travaillerons en direct avec les forces pakistanaises. Vous serez déployés sous couvert de leur opération. Votre mission consiste à identifier, appréhender et exfiltrer le fournisseur. Capturez-le et nous commencerons enfin à y voir plus clair dans cette histoire. Eh ben, ça nous prémoit... Ça nous promet surtout de belles choses et une belle mission. Alors je sens que ça va, cette fois-ci, ça va bouger un peu plus. Parce que c'est quoi, bon, les missions. Un UAV à faible signature infrarouge, capable de désigner les cibles ennemies. Si le trafic aérien est saturé, déployez-le au sol, comme un UGV standard. En mode reptile, il embarque une arme à impulsion sonique. Mais évitez de trop miser là-dessus. D'accord, donc nous avons un nouveau drone. Et là, c'est un drone au sol carrément. Alors celui-ci, apparemment, il n'a pas l'air de pouvoir voler. Mais bon, ça va être pratique quand même, parce que vous pouvez voir, regardez, ils nous disent de sélectionner. Et ici, nous pouvons le faire décoller, donc c'est une bonne chose, je ne savais même pas qu'on pouvait. Alors vous voyez, comme ça, au moins, l'affaire est vite vue. Donc ça va me prendre plus de temps pour sélectionner maintenant chaque équipement. Parce que vu qu'on en a plus, nous avons les grenades, nous avons le truc de détecteur de personnes, enfin bref. Le drone volant et ce drone-là. Alors est-ce que c'est le drone qui volait et qui a été modifié? Il est fort possible. Donc, à proximité du sol, appuyez sur B pour le faire atterrir. Donc, il faut appuyer sur B aussi pour le faire atterrir. Ok. Les flashbangs, c'est du matos d'ordonnance standard. Briefez vos équipes, elles sont à manier avec prudence. Elles aveuglent tout ce qui se trouve à portée et font un raffut à vous flinguer les tympans. Ça dure qu'une poignée de secondes. Mais ça suffit largement. Ouh là 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 là. Encore une nouvelle arme. Encore un nouvel équipement. Je sens que celui-ci, ça va être assez costaud. Un Peshawar, le mieux, c'est de cavaler sur les toits plutôt qu'en pleine rue. Je vous conseille un fusil de sniper, genre MSR, avec une bonne lunette. Complétez l'arsenal avec une mitrailleuse légère pour le corps à corps et vous serez paré. D'accord, ok. Alors, pour le secondaire, il nous propose de prendre une arme d'assaut. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le MP7 qui est très très bien. Ou un fusil à pompe, ça va péter. Un gobelin. Retouche silencieux, d'accord. Lunette redoute. Accessoire, aucun. Ah, écoutez, je vais passer un petit peu à la modification des armes. Vous savez quoi, ça va être assez intéressant. Et je pense qu'on va pouvoir peut-être s'amuser avec. Et surtout celle-ci, je l'aime beaucoup, je la trouve super belle.
Alors, non. Mais non, mais qu'est-ce qui me fait... Ah, voilà, c'était comme ça, effectivement. Ça, c'est des motifs. La détente. Est-ce que nous pouvons la changer? Oui, apparemment, on peut la changer. J'aime bien celle-ci, elle a l'air assez fine. Je rentre dans le pointilleux. J'aime bien des fois, vous savez. Alors, est-ce qu'on a débloqué des nouveaux trucs, quand même? Parce que vu que depuis le temps qu'on joue, on a pu débloquer des nouvelles choses, non? Eh ben, non. Bande de pourris. Alors, ça, c'est quoi? Automatique, détente match, semi-auto, semi-auto 3 coups. On va prendre automatique, vous savez quoi? Parce que ça va bien aller comme ça. J'ai pas envie de me faire chier à prendre des armes trop compliquées. Red Hot. Viseur holographique. Alors, viseur holographique, agrossissement 3 fois. Bon, en plus, on peut même pas le prendre comme ça, la faire vite vue. Ah, il y a celui-ci qui est pas mal aussi. J'avais pas vu sur la lunette tactique. Lunette tactique. Grossissement 4 fois pour engagement à moyenne courte et courte portée. Visée précise pour un alignement rapide. Fenêtre de vue limitée. Optiques en grossissement permettant d'aligner rapidement la cible avec un minimum d'interférence visuelle. Écoutez, je vais prendre celle-là, elle me plaît bien. Ouais, elle est balèze en plus, écoutez. Ça va être sympa. Alors, le chargeur, est-ce que je peux changer? Parce que j'en ai marre de ce chargeur qui est vraiment vilain. D'accord, bon, ok. Pas de nouveau. Très bien. Poignée courbée. Protège rail. Poignée verticale. Poignée courbée. Alors, d'accord, nous n'en avons pas 36 millions. J'ai bien envie de prendre celle-là. Vous savez quoi? On va prendre celle-là. Ouais, ça va pétarailler avec ça. On va se faire du... Du vilain, du méchant. Voilà, non, mais je dis que de la merde. Alors ça, c'est quoi? Courbé, d'accord. On l'a pas, malheureusement. D'accord, ok, bon, nous avons que celle-ci. On va regarder celle-ci qui est assortie à l'arme. Et ça va être plutôt joli. Donc, voilà, donc c'est bon pour ceci, les amis. Non, c'était un gobelin, hein, c'est ça. Capteur gadget, frag, d'accord. Voilà, tout cela, on l'a. Hop, c'est bon. Commencer mission, c'est parti, on y va, les amis. On est parti pour la mission, donc... On va voir ce qui va se donner, on va voir si on va se faire péter la figure ou pas. Enfin bref, j'espère qu'elle va pas être trop compliquée cette mission, parce que je le sens pas vraiment, surtout que j'ai pas la pêche du tout. Enfin bref, on va y arriver. Donc les amis, je vous parle aussi de petites choses encore sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne, voilà, tout simplement. Pas du nouveau, bien sûr. Peut-être du nouveau, s'il y en aura peut-être, parce que je risque certainement de changer de map sur Farming Simulator. Tout simplement parce que je vous le dis franchement, j'en ai un peu marre de la Marne. Tout simplement. Vous allez dire, mais ça fait peu de temps qu'il était sur la Marne 1.2, ou je sais plus, enfin bref. Oui, j'en ai un peu marre. J'ai envie de changer un petit peu, vous savez, je suis comme ça, moi j'aime bien changer. Hunter se prépare à infiltrer la zone. Reçu Hunter, il y a beaucoup de civils dans le secteur. Identifiez vos cibles et évitez les bavures. Bien compris. Tant qu'on y est, on s'occupe de l'acheteur. Négatif, on le laisse au Pakistanais. Vivant. Le vendeur est votre seul et unique objectif. Extraire le vendeur, ne pas abattre l'acheteur. Bien sûr. D'accord. Donc en plus, apparemment, les amis, on va faire équipe avec les Pakistanais. Sauvegarde déjà, d'entrée de jeu. Alors, objectif, localiser le vendeur d'armes. D'accord. Attention, tuer sans donner l'alerte. D'accord. Alors, est-ce que nous avons flashbang grenade, drone disponible? Ouais, alors, attendez, est-ce qu'on peut le sortir? Drone déployé. Ouais, alors, par contre, c'est celui-ci que, les amis, on peut poser au sol, apparemment. Apparemment. Ouais, ils disent d'appuyer sur B. D'accord, apparemment, on ne peut pas le poser au sol. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Perte du signal. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Hop, on va monter en haut un petit peu et on va aller chercher les méchants. Alors, apparemment, ils sont tous ici. Alors, ce monde-là, je vous le dis, franchement, je ne le connais pas. Parce que, oui, le jeu, je ne le connais pas bien. Hein. On vient à peine de le commencer, il n'y a pas longtemps, ça fait que le 4e épisode. Donc, vous voyez, c'est assez chaud pour découvrir tout ce qui se cache ici. Alors, est-ce qu'on peut voir 2-3 méchants ici? Non, apparemment, il n'y en aurait pas là. Donc, on peut avancer, on va dire, tranquille. Mais je prends des précautions, quand même, avant toute chose. Bon, écoutez, apparemment, ici, il n'y a personne. Est-ce qu'il va falloir descendre? Est-ce qu'il va falloir... peut-être éventuellement. Apparemment, il y a du lourd. Je sais pas si c'est une mitraillette lourde ou pas. Peut-être là, il y en a là. Non? Mais ils sont où les mecs? Parce que je les entends parler, mais je les vois pas. Je ne les entends pas. Oui, mais ils se camouflent. Ah, ils sont là, regardez-moi ça. Ouais, il y en a un paquet où? Ah, ouais, tout ça. Ouais, ok. Bon, on va rappeler notre drone. Hop. Voilà. Et c'est reparti, on y va.
Donc les amis, nous avons deux sortes d'armes, hein, je vous le dis tout de suite. Nous avons le gobelin qui est ici, qui est une très bonne arme aussi. Arme. Ah, je vais y arriver. Et là, il faut qu'on exfiltre donc l'acheteur. Voilà, tout simplement parce que nous n'avons pas 36 millions de choses à faire. Apparemment, il n'a pas l'air bien, bien compliqué. Mais bon, parlons pas trop vite. Vous me connaissez. Il faut donner l'alerte sans se faire repérer. Voilà. Hop, abri suivant. Voilà. Oui, et je passe en furtif déjà. Hop. Hop. On se met en invisible. Voilà. Et là, il va falloir, les amis, donc, la jouer. La jouer finesse parce que... Regardez, les mecs, normalement, ils sont en bas. Mais non, on ne... Ouais, d'accord. Ok. Alors, sautez par-dessus. Voilà, on va suivre nos hommes. Oui. Parce que je l'ai pas vu, moi. Par là-bas, à gauche. Ah ouais, il est là-bas au fond, le mec. Ah ouais, il est là-bas au fond, quoi. Wow, my godness. Voilà. Voilà, hop. Un de plus. Donc ça en fait deux prêts à tirer. Et go. Voilà, hop, pas d'alerte donnée. Donc il ne faut pas donner l'alerte, surtout pas, parce que sinon on se fait repérer direct. Ça va être chaud parce que, je vous le dis franchement, ça va rentrer un petit peu dans le compliqué. Il va falloir jouer stratégique. Bon, bien sûr, c'est pas bien compliqué. Faut juste réfléchir un petit peu avant de se lancer dans un truc qu'on sait pas qui va se lancer, quoi, tout simplement. Alors, il y en a deux là. Apparemment, il y en aurait deux là. Et il va falloir la jouer finesse encore une fois de plus. Attention, ils vont t'enterrer. Je me camoufle. Voilà. Je l'avais pas vu, lui, là-haut, là. Je l'avais pas vu. Eh, vas-y, les mecs, allez, les mecs. Je suis prêt à virer. Vas-y. Allez-y. Voilà, hop, ça en fait un en moins. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment jouer silencieux et finesse. Bien sûr, ce n'est pas simple parce que quand on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Voilà, il y en a un là. Il y en a un là-bas. Voilà, il y en a deux. C'est quand tu veux. Et go. Je suis prêt. Go, les mecs. Voilà, RS. Oh, magnifique. Franchement, tout du premier coup. Alors, j'aurais voulu mieux faire, je n'aurais pas pu. Vous me connaissez, moi, quand j'ai envie de faire bien des fois, bah, j'y arrive pas. Allez, go, on y va, les mecs, on y va. Alors, il faut exfiltrer à 81 mètres. D'accord, nous sommes bientôt arrivés. C'est parti. Allez, les mecs, suivez-moi. Comme si on les voyait pas, quoi. Même en mode invisibilité, qu'on les voit. C'est n'importe quoi. Comme si, en vrai, déjà, à la base, les amis, on pouvait se cacher comme ça. Ça a été trop top. On en ferait des conneries. Moi, je vous le dis, hein. Il y en aurait des conneries de faites. Mais bon, faut pas trop rêver, ça reste un jeu. Et c'est même un très bon jeu. Moi, j'aime beaucoup la série de Ghost Recon. Vous savez, j'ai un petit peu cherché les anciens Ghost Recon, les tout premiers. Ils étaient sympas. Moi, j'aimais beaucoup les premiers. Et c'était plutôt... D'accord. À couvert. Alors, je vais déplier le drone. Voilà. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les alentours. Alors, appuyez sur A pour changer de vue. Ah, d'accord. Oui, c'est effectivement. C'est ça. C'était la vue soit... Voilà, on va monter un petit peu en hauteur. Et normalement, il y en a 2-3 qui se camouflent par là, mais on va pas prendre de risque parce que nos hommes sont là. Voilà, nous là. Donc, les seuls qu'on pourra avoir, je pense, et je suis même quasi coup sûr, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Donc, ça en fait déjà un. Un, ouais, c'est bon. Hors de signal. D'accord. Ouais, ok, mec. Eh ben, écoute, vas-y. Erice. Parfait. Parfait, on peut rappeler notre drone, merci. Alors franchement, ce drone, d'un autre côté, c'est un peu, pas dire futuriste parce que ça l'est quand même, parce que ça existe vraiment des drones, mais là, je le trouve vraiment super pratique, vraiment, pour ces missions-là. Ils sont pratiques. Allez, on y va. Un soldat, je vais me le faire. Franchement, j'aime bien parce qu'on fout plus rien. On ne fout plus rien. Et c'est... Là-haut, dans la tour. Ah, d'accord. Alors, étudiez. Oh. Hop. Voilà, c'est vrai que le drone est pratique, vraiment. Hein. Franchement, on peut pas se le nier.
On peut pas le cacher, hein. Il est vraiment super pratique pour tout ce qu'il en est. Ah, il croyait que je l'avais pas vu, lui, là-bas, le petit le vilain. Voilà. Deuxième cible. Voilà, deuxième cible. Alors, écoutez, je ne vous en vois pas plus pour le moment. Je n'en vois pas plus. Je vérifie quand même qu'il n'y en ait pas dans les alentours. Dans les alentours. Ah, il y en a encore un là-bas. Voilà. Ah, il y en a encore là. Quatrième cible. Wow, my god. D'accord. Alors lui, on n'avait pas dû se le faire tout de suite. On a dû se faire d'abord lui. Ouais, mais non, c'est chaud, quoi. Ouais, ok. On va rappeler le drone. Et on va essayer de s'avancer parce que il faut savoir qu'ils sont là-bas, les mecs. Et nos hommes se sont placés tout seuls. Donc ça, c'est une bonne chose, les amis. Comme vous pouvez le voir, ils ont une intelligence vraiment super, super avancée. Parce qu'ils les tuent. Vous voyez, ils se placent comme il faut. C'est pas comme dans les anciens, où il fallait les placer nous-mêmes. Les personnages, là, ils se placent tout seuls. Alors, moi... Ouais, alors moi, attendez, parce que... Il va y en avoir un que ça va alerter. Et c'est sûr et certain, on va se retrouver dans la merde. Le quatrième, il me l'a pas eu. Attention, Raph. Putain, fais pas le con. Lui, je me le fais. En stand-by. Prêt à tirer. Hop, moi, je me le fais. On y va. Allez-y. J'en ai eu un. Merde. J'active le camouflage. Détecté. Allez, les mecs. On y va. Engagement, merde, on a loupé. Bon, bah, faut reprendre depuis le dernier checkpoint. Ah, je me suis loupé sur ce coup-là, j'aurais pas dû tirer tout de suite. Ouais, et j'ai pas réfléchi, mais ils sont tellement bien placés aussi, il faut dire que pour les retrouver, c'est assez complexe. Donc j'espère qu'ils vont nous reprendre à ce niveau-là, qu'on recommence pas encore. Alors par contre, je vais essayer de changer d'arme. Est-ce que nous avons quoi comme arme? Ah, nous avons le sniper. Alors attendez. Voilà, ils sont par là, ça c'est certain. Ah, je sais plus où est-ce qu'ils étaient à ce niveau-là. Et si, c'est là. Donc sur le toit, normalement, il y en a un là-bas. Ouais, c'est ça, il y en a un sur le toit. Voilà. Donc, un en moins. J'en vois un autre. Ouais, où ça? Sur la droite. D'accord, ah, mais il n'y en a pas 36 millions, hein. Il y en a que là, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Tout à l'heure, on les a trouvés là, nous. Donc, mais sur la droite, à lui, hein. Où est-ce qu'il est, lui aussi? Où est-ce que tu l'as vu, Coco? Où est-ce que tu l'as vu? Il se camoufle, hein, c'est malin. En fait, on est vraiment à côté, quoi, tout simplement. Hein. Donc, il faudrait d'abord tuer celui qui est en haut. Voilà, parce que c'est lui qui va nous emmerder le plus. C'est lui qui risque de donner l'alerte, surtout. La grosse alerte. D'abord neutraliser ses gardes. Nettoyer le périmètre. Ouais, mais je veux bien, mais nettoyer le périmètre. Alors, on va déployer le drone, allez, c'est pas la peine. Hop, on le déplie. Et on va bien voir où est-ce qu'ils se camouflent, ces gros malins. S'ils croient me la faire à moi, c'est mort. J'essaye d'être plus intelligent que vous, surtout. Voilà. Ennemi, on dirait un tireur. Ouais, c'est sûr, effectivement. Sur la gauche. Voilà, deux. Voilà, comme ça, on est sûr d'avoir le deuxième. Et lui, il va pas nous casser les bonbons. Une unité. À gauche. C'est quoi ça? Signal hors de portée, d'accord. C'est prêt? Go! On l'a fait! Voilà. Voilà. Ouais, mais le troisième, on va se les faire. T'en fais pas. Voilà. Oh, mais ils sont tous là! Oh my god! Ouais, et nous, on va se faire quatrième. Voilà, on se fait quatrième. Et nous, on fera le cinquième parce que il faut savoir qu'ils sont bien placés, les mecs. Quand tu veux. Voilà. Alors, je vais les suivre par contre eux parce que c'est eux qui vont me donner le bon chemin à prendre. Voilà. Puis ils sont bien rapprochés. Donc, pour le quatrième, je sais pas ce qu'il me fait. Il veut pas se diriger vers le bon emplacement. Stand-by. Ouais, prenez la bonne place, les mecs. Je tiens vraiment à ce que vous les preniez. C'est Pepper, ça? Ah, d'accord, c'est Pepper qui l'a dans les yeux. Donc le quatrième, il ne l'aura pas. Malheureusement, il n'aura pas le quatrième. Mais j'ai un peu peur de les alarmer, quoi. Voilà, j'ai un peu peur de les alarmer. Prêt à tirer.
j'ai perdu ma cible. Cadavre découvert. Oh, bordel. Ils ont vu un corps. Ils l'ont mauvaise. Ouais, là, il va. Oh, bordel, on s'est loupé. Eh ben, on était super bien partis, hein. Mais comment ils veulent que je les mobilise? Je peux pas les mobiliser. Ils sont là, ils sont camouflés dans le coin. Et il va falloir faire jouer tactique, hein. Tactique, à 100%. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, il faut recommencer plusieurs fois pour y arriver, parce que... Oh, sinon, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Ouh, c'est pas chaud, hein. Je vous dis tout de suite, c'est pas si chaud. Là, il y en a un. Hop. Putain! On s'est fait repérer. Et voilà, on s'est fait repérer. Bon, on n'a pas été bien loin sur ce coup-là. On n'aura pas été bien loin. Ah là 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 là. Je jure. Là, je sens pourquoi je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi du tout. Mais bon, c'est pas grave, persistons. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Je veux me le faire, lui, là-haut, hein. Je vais me le faire, c'est sûr et certain. Pourquoi Ravtouille découvert? Mais je comprends pas. Voilà. Ouais. J'en ai eu un. Voilà. Hop, voilà, camouflage. C'est parti, on y retourne. Donc là, je vais essayer vraiment de la jouer plus fine. Parce que j'avoue que sur ce monde-là, il a l'air chaud quand même. Ouais. Et ben, pour nettoyer le périmètre, je veux bien, s'il te plaît. Ouais, ils sont là-bas, les mecs. Mais faut que je les suive. Eux, ils vont me guider, eux. Et eux seuls, c'est la route vraiment la meilleure à prendre pour pouvoir aller les neutraliser sans se faire repérer. Mais bon, après, c'est vrai que le problème, c'est eux, ils vont me suivre. Donc, si moi, je prends par là, eux, ils vont aller par là aussi. Donc, il faut savoir que... je vais essayer de la jouer finesse. Je vais essayer. Wow. Un peu plus si j'y passais, hein. Je vous le dis. Putain, mais sans déconner, les mecs, ils sont super chauds. Dans notre dos. Hop, je recharge. Voilà, est-ce qu'il y en a un par là qui est camouflé ou... Putain, je pensais avoir un petit peu, vous savez, je pensais que ça allait bouger un peu plus. Mais qu'en fait, pas du tout, ça ne bouge pas du tout, du tout. C'est un peu mort, quoi. Voilà, alors là, il y a quoi? On va essayer d'y aller comme ça. Sans se faire repérer, bien sûr, ce que j'ai... Je ne sais pas où est-ce qu'il y a ce camoufle. Voilà. Alors là, on va dépiler le drone, obligé, les amis, parce que... Je déploie le drone. On est obligé. Tu vas te faire repérer, fais gaffe. Putain. Ouais. Bon, attendez, on va le rappeler. On va utiliser des grenades... des capteurs. Sensor. Visuel, contact avec mitrailleuse légère. Voilà. Où est-ce qu'il est? Non, on va se mettre à couvert. S'il veut, bien sûr. Un de plus. Ouais. À droite. Un de plus simple. Ouais. Par contre, ils sont mes hommes. Les mecs, montez, s'il vous plaît. Les mecs, montez. Je monte pas la lune, je vous demande de monter. Il cru que je l'avais pas vu. Oh, bordel! Putain, je me suis fait repérer. C'est mort, les amis. J'ai été repéré. On peut recommencer. Oh là là, je vais pas y arriver, hein. Je vous l'ai dit que les missions étaient très très compliquées. La difficulté monte très très vite sur ce jeu. Alors si là, je galère déjà, je vous dis pas sur les prochaines, je vais pleurer tout seul. On a 25 minutes de vidéo, on n'a même pas commencé la mission. On est qu'au début, alors vous voyez. Je pense que celle-ci va nous prendre bien une heure. Bah ouais, mais... Je veux bien, mais... Ce qui me fait rire, c'est que comment ils veulent que je fasse... Un soldat. Voilà, comment ils veulent que je fasse... J'en vois un autre. Eh, on s'est fait repérer. Oh, eh ben voilà. On s'est fait repérer, Bobby, c'est mort. Couvrez-moi.
On peut recommencer. Et voilà. On s'est fait repérer. On est mort. Et voilà. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'on était cuit. Il va falloir jouer encore plus tactique. De toute façon, il va falloir recommencer pour savoir vraiment quels sont les points froids, les points chauds, les points à éviter. Et surtout qu'on est avec les forces pakistanaises. Alors, je comprends pas pourquoi ils nous aident pas. Peut-être pour la... Faut exfiltrer le contact. Mais bon, ça m'étonnerait fort, quoi. Sur la gauche. Alors... Contact, seul, fusil d'assaut. Alors là, les mecs, je vous donne l'ordre de tirer sur cette espèce de pingouin. Sortie mobile. C'est bon? Allez, go! Allez-y. En voilà un autre. Sur la droite. Et tire! Non, il va pas. Allez, go. Non, il va pas. Voilà, ça c'était pour moi. Allez, go. Il faut d'abord neutraliser ses gardes. Nettoyer le périmètre. D'accord. Alors là, les gardes, pour les neutraliser, ça va être chaud parce qu'il va falloir monter, je pense, à l'étage. Mais on va se promener au passage. On va découvrir où est-ce qu'il se camoufle. Allez les mecs, montez. Quoi? Ils étaient là? Ah, ça va. Ils m'ont fait peur. Comme si on n'était pas repérés en bougeant les cartons, quoi. Vraiment le truc trop con. Il y a une autre technique, ça c'est certain. Et je vais la trouver, cette technique. Pour monter. Je suis indéterminé. Et quand je suis déterminé, j'y arrive toujours. Alors, là, c'est quoi? Ah ouais... Drone déployé. Hop, on déploie le drone. On le déploie surtout. Et on essaie de repérer ce qu'il y a. Donc ce qu'il faudrait faire, les amis, c'est tuer les trois qui sont là. Ouais, tuer les trois qui sont à les tours. Je pense que c'est les seules solutions. Parce que là, le problème, ce qui va se passer, c'est que... On va pas pouvoir... là, 1... Ouais, c'est des mitrailleuses légères en plus, donc on va tuer celui-là. 2. Et là, franchement, si on ne les tue pas, il y a un problème parce que... Cible 3 désignée. Est-ce qu'il n'y en a pas un troisième par là? Je me méfie parce que je l'entends vraiment à côté de moi, limite, le mec. Et ça me paraît chelou. Coordonne le tir. Parez à tirer. Ouais, bah, tirez pas tout de suite, les mecs, parce que... Avant... Je veux être sûr que... On va pas se faire repérer... Ouais, mais le quatrième, il est chaud. Le quatrième, si on le tue, on est repéré. Donc c'est mort, d'entrée de jeu. Et il y a lui là-bas au fond qui se camoufle. Ah, il y a lui là-bas, il risque peut-être de nous emmerder un petit peu parce que si on tue lui en premier, lui là-bas en haut, il va le voir. Quoique. Ouais, il nous verra peut-être. On tente ou pas? J'ai bien envie de me le faire lui là-bas. Vous savez quoi, comme ça, c'est lui. Ouais. Mitrailleuse légère. Ouais, alors j'aimerais bien qu'il l'ait par contre la quatrième. Apparemment non. Donc on va l'enlever. On va rappeler notre drone. Et là j'espère pas que ça va merder. On essaye. Voilà, pas de cadavre découvert, donc ça va. Ouf. C'est bon signe, ça, cette affaire. Donc on peut y aller les mecs, on peut y aller. Allez, on passe par-dessus l'abri. Et on y va. Bon, personne n'a été découvert pour le moment. Donc ça va, dans l'ensemble, on est plutôt pas trop mal. On est plutôt pas trop mal. Mobile. Alors mobile, qu'est-ce qu'ils disent par mobile? J'aimerais bien comprendre. Le drone. Drone actif. Ouais, alors là, c'est bon, on se les a fait. Maintenant, il faut qu'on se fasse eux. Alors là, ça va être plus compliqué parce que c'est eux qui vont nous emmerder. Voilà, le 1. J'attends le signal. Le 2. Le 3. 3. Et le 4, voilà. Quand tu veux. Nous, on fait plus rien comme ça. Le 4ème, par contre, va nous faire chier. Parce que si on tue pas le 4ème... C'est bon. Allez, prêt, les mecs. Go! On vous tire. Et moi, je me fais le 4ème. Alors, par contre, le 4ème, pour me le faire, ça va être chaud. Parce que il est bien camouflé, cet enfoiré.
Alors, attendez. Est-ce que je peux me le faire? Ah, mais non. Voilà, hop, on va y aller. On y va, on y va, on y va, on y va. Les mecs, prêts? Go! Voilà, c'est parfait. C'est parfait comme ça, et j'aime quand c'est comme ça. C'est parfait quand c'est comme ça, j'aime beaucoup. Alors, il y a le quatrième qui est là, normalement. Qui était là et qui nous faisait chier. Et lui, par contre, il va sauter. Ouf. Oh, je suis passé short short. Il est où? Il est où? Il est pas sur le toit quand même. Rassure-moi qu'il est pas sur le toit. Je vais essayer de monter là où sont mes hommes. Je vais essayer de monter là où sont mes hommes. Mais... Je déploie le drone. Voilà. Ah, il est là, regardez. Je vous l'avais dit qu'il était camouflé, cet enfoiré. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Ouais. Alors là, par contre, je sais pas, parce que pour se le faire, celui qui est là, ça va être chaud, quoi. Il est bien camouflé. Voilà, vas-y, les mecs, déployez-vous. Voilà, démerdez-vous comme vous voulez, mais déployez-le. Je veux pas être... Je veux pas de bruit. Vous me le faites en silence. Il n'y a pas là. Hein. C'est bon. Il n'y a que deux normalement. Hein. Go. Erice. Magnifique. On rappelle le drone. Sauvegarde en plus. Donc c'est bon. C'est un checkpoint. On peut y aller. On peut y aller. On peut y aller. J'en compte 4. Hop. Pareil, on se cale sur toi. D'accord. Donc j'y vais, j'y vais, j'y vais. À mon avis, j'ai mon point blanc qui... Ok. On attend du quatrième. Ah, mais non, mais c'est moi le quatrième. Mais quel con. Mais quel con. Pourquoi je suis pas un invisible? Ah bah oui, il n'y a pas besoin. Envoie un drone. Drone déployé. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire atterrir le drone. D'accord. Ok, ok, ok. Passage en mode terrestre, localisation de la cible. Je veux être fixé sur ce qui nous attend. Quoi, près du sol? Ah, ok. Ah, oh, excellent! Wow. C'est chaud, c'est chaud. Oui, il en a repéré, mais moi non. Waouh, puis ça parle et tout. J'arrive pas à m'y faire, à cette caméra. Ouais. Oh, mais ils sont où? Ils sont où? Ouais. Comment ils veulent que je fasse là? Je suis désolé, mais je peux pas moi. C'est Pepper, ça c'est moi, d'accord. Il faut passer les portes, mais. Ah, mais non. Mais qu'est-ce que je suis con? Eh oui, j'avais pas pensé à ce coup-là. J'avais pas pensé à ça. Onze mètres. Ah oui, mais 11 mètres. Mais quand tu n'as pas les marches d'escalier, tu fais comment? C'est pas logique d'un coup, leur truc. C'est vraiment du drone de fou. Ah, mais non, mais est-ce que c'est peut-être pas ça, là-bas, là, la petite ouverture, là, regardez. Mais si! Bah ouais, c'est les passages, on peut pas aller. Et oui. Bah voilà, c'est un... Ok, là, l'acheteur. Par contre, le vendeur est pas là. On dirait qu'ils attendent toujours. Il devrait être là depuis le temps. Il a flairé le coup? J'en sais rien. On va demander. Arme le drone, on va rentrer. Ouais, c'est ça. Ils sont là, regardez. Ils sont là.
Ils sont tous là. Alors, c'est chaud par contre pour contrôler le drone, je vous le dis. Franchement, c'est très très compliqué. Ah ouais, regardez, regardez, regardez. D'accord. Ok. Donc il faut rappeler le drone. Ok. Reculer. Arme le drone. D'accord. Comment je fais? Donc il faut rappeler le drone en gros, en quelque sorte, c'est ça. Appelle le drone. Hop. On va passer par là. Oh! Tu me fais chier. Mais pourquoi je peux pas passer? Comment je suis rentré tout à l'heure? Voilà. Ouais, et ben. Comment je fais? Ouais, et là je suis un peu bloqué les amis, je ne sais pas comment rappeler le drone. Attendez, parce que je vois pas ce qu'il faut faire, hein, sincèrement. Ouais, changer de vue. D'accord. Ok. On peut rien faire là du tout. Ah, il faut descendre à plus de 23 mètres. D'accord. Mais c'est moi aussi qui est pas logique d'un côté. Oh, j'ai pas mis dans le bon sens, mais quel con. Voilà. Le bon sens, il est là. Donc il faut descendre en bas. Putain, mais sans déconner, mais il me demande une mission de ouf. Ok, elle a cru que le drone c'était quoi? Ici se fait repérer. Hop, 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 ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Franchement, c'est le drone le plus intelligent du monde. Ok, alors là, il faut aller où? Parce qu'ils disent d'avancer, reculer. D'accord, il faut aller où? À 8 mètres. Waouh. Il veut que je me mette où? Ah, mais si je vais là-bas, je vais me faire repérer. Il est pas invisible? J'ai un peu peur, hein. C'est un peu chaud, mais... C'est... Ah, hop, impulsion sonique. Comment on fait? Oh, oh ouais, je m'attendais pas à ça. Wow, my godness. Engagement, loupé. Ah, j'étais tué. Ah merde. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va reprendre depuis le dernier checkpoint. Hein. Moi, c'était bien marrant, je me suis bien éclaté. Et un peu compliqué. Vraiment, le drone, quand on l'a fait en main, c'est très très compliqué. En formation pour entrer. D'accord. On a en préempli l'affaire. Ah, c'est ça. Donc, il va falloir reprendre le drone. Pareil, on se calme sur toi. Allez, go, on déploie le drone. Envoie un drone. Allez go, on y va. Donc là, il est plus facile à contrôler, ce putain de drone. Alors, c'est là qu'il faut descendre. Faire atterrir le drone. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire atterrir par là? Non, il veut qu'on fasse atterrir là. Hein. Passage en mode terrestre. Localisation de la cible. Je veux être fixé sur ce qui nous attend. Voilà. Ouais, on sait que t'as fait des promesses, donc on sait exactement ce qu'il y a à faire maintenant. Hein. Contact sur la droite. 4 avec fusil d'assaut. Ok, voilà l'acheteur. Par contre, le vendeur est pas là. On dirait qu'ils attendent toujours. Il devrait être là depuis le temps. Il a flairé le coup? J'en sais rien. On va demander. Arme le drone, on va entrer. میدونی چند وقت دیگه باید اینجا باشیم؟ امیدوارم این ماموریت تموم شه. کلی کار دیگه دارم که باید انجام بدم. امیدوارم خیلی زود تموم شه. من به زنم گفتم واسه شام بیا. آی فوالی جوست گفتم. نمیاد میپرسی که کارمون تموم میشه. Sans déconner, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue ces jeux. Allez go.
Boum. Allez, on y va, go, 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 go. On fait tout sauter. Ah, on l'a, ça y est, on a réussi. Ouais, c'était chaud, mais on y a réussi. C'était vraiment de l'arrestation, de... Vraiment pas de l'arrestation, mais surtout du... La capture de ouf. Overlord, vous pouvez nous tracer un signal? Pas de problème, Hunter, transmettez. Ça y est. J'aime tellement ce jeu que j'ai même pas envie d'arrêter. Je pourrais passer des heures à y jouer. Sur objectif. Ok, on retourne sur les toits. Restez, gardez le contact. Triangulation en cours. Allez, c'est la suite, donc il faut continuer. Ce n'est pas fini le monde, hein, je vous le dis. Ok, on a localisé le vendeur. Il se déplace ? Négatif, la situation se complique. Le véhicule est coincé dans la circulation, il va falloir aller sur place. On est au beau milieu de la rue, question discrétion, on repassera. La situation a changé, les Pakistanais sont en train de boucler la zone. Ils ont déjà fermé deux des principaux axes routiers. On dirait qu'ils veulent serrer les deux parties. Les enfoirés. Protester n'y changera rien. La situation est plus tendue que jamais. On pourrait échanger le vendeur contre l'acheteur. Pas moyen, Hunter. Le gros poisson, c'est le vendeur. Si les Pakistanais arrivent à le serrer, on peut faire une croix dessus. Et s'il réussit à dégager, ça m'étonnerait qu'on retrouve sa trace. Il nous échappera pas. Et pour les Pakistanais, on fait quoi? Vous serez déployé à revers de l'objectif. Les Pakistanais rabattront la cible sur vous et vous éviterez les risques d'engagement accidentel. Mais que ce soit bien clair, interdiction d'engager le combat avec les forces pakistanaises. On peut s'attendre à ce qu'ils nous rendent la politesse? Oui, tant qu'ils ne vous voient pas. Et l'hélico, il arrive quand? Il est déjà en route. C'est pratiquement le pire scénario qu'on pouvait envisager. La zone est bondée et l'ennemi circule au beau milieu des civils. Contrôler le feu et épargner les innocents. Bien compris. Site d'insertion indiqué. Bien reçu. On se met en route. J'en ai ras le cul des plans foireux. Déjà que le plan de départ était pas fameux. Faites attention à vous. Il ne laisse pas chaud, hein. Bon. Apparemment, ça veut tout dire. Objectif, capturer le vendeur. Donc il faut faire gaffe. Wouah. Engagement. Donc engagement, c'est parti. Wouah, mais ils sont chauds, les mecs. Ah, je suis mort. Allez, les mecs, allez, venez m'aider. Ils sont... Ils prennent sur la droite. Mobile. Ils sont fixés. Ils sont pas... Ils sont bloqués où? Ah, là-bas, je l'ai vu. Après, je le voyais pas, lui, là-bas. Ils sont déjà moins nombreux. Droit devant. Oh, on l'aura pas, lui. On y va. Allez. Dégage. Oh, c'est chaud. Là, quand je vous dis qu'il y avait de l'action, il y en a rien à voir. Et ça, c'est... Bon, fusil d'assaut, d'entrée de jeu. C'est pas la peine de prendre celui-là. Ah, on y va. Donc il faut éviter les civils à maximum, les amis. Parce que... ça, c'est des Pakistanais, ça, hein. Ouais, d'accord. Putain, allez les mecs. Il faut se les faire. Ils sont un peu de partout, hein, si on regarde bien. Ils sont bien... Maintenir, changer. X, changer. Non, on changera pas d'arme. On garde celle qu'on a. Oh. On se détend. Bon, c'est vrai que j'avoue que je ne fais pas grand chose, moi, dans les sombres. Je tire pas beaucoup. J'aimerais bien. Oh. Voilà, c'était chaud là. J'ai cru un peu plus, je mourrais. On y va. Ouais, mais là, ils ont pris vraiment les deux parties, quoi. C'est...
C'est très très chaud. Alors, il faut avancer là où ils sont. Ils sont très intelligents quand même, hein. Et ça, ils avancent tout seuls. Ils se placent le mieux possible pour pouvoir... pouvoir mieux tirer. Ouais, c'est bon. C'est chaud, mais je les vois pas, hein. Wow. Oh, c'est quoi ces bugs de son? C'est quoi ces bugs de son? Allez, les mecs, allez! Sauvez-moi la peau! Parce que je suis nul. Je les vois pas, hein. On voit d'où ils tirent, mais... alors là, je ne sais plus comment faire. Ah oui, c'était comme ça, la vue. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Hop. Ah, ils sont chauds, hein. Voilà, comme ça, ils sont faits. Et là, il y a les mecs, ils sont qui, c'est qu'ils sont bien qui m'ont... C'est quoi, c'est un mec, ça? Je l'ai abattu. Tire de suppression. À 12h. Allez, hop, tire de suppression. Donc, ça veut dire qu'il va falloir lancer du lourd-lourd. On va pas lancer des... Ah, si, il y a un capteur, pourquoi pas. Non, on ne voit personne. Si, on le voit. À couvert, à couvert. Oh là 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 là. Je crois que je les vois pas, les mecs. Il est là, il est là. Ils sont là, hein. Allez, il est fait. C'est bon. Bon, on aura tué un ou deux déjà, c'est déjà pas mal. Moi aussi, je vais me mettre à couvert, tu vas voir. Oh, bordel. C'est vraiment la mission de ouf. On n'a pas beaucoup d'armes, c'est vrai que... C'est chaud quand même. Oh! Non! Bon, allez, les amis, j'ai repris depuis le dernier checkpoint. Alors, le dernier checkpoint, les amis, c'était simplement le début de la mission. Donc, j'ai préféré tout refaire. Et avancer un maximum avant de reprendre l'épisode. Et là, donc, comme j'ai pas trop mal avancé, on va dire, je suis revenu jusqu'à là. On en était, j'ai même un tout petit peu plus loin. Donc, comme ça, on n'a rien perdu. Mais je vous avoue que c'était vraiment intense. Et en fait, c'est moi qui m'étais planté. Il fallait bien se camoufler à tous les endroits. Donc, ce que je propose, c'est qu'on reprenne, c'est qu'on y aille tout de suite. Bien sûr, sans se faire péter la figure. Et j'ai trouvé qu'il fallait passer en vue comme ça. Parce qu'autrement, on y passe. On y passe. Oh, bordel, il nous jette des grenades flashbang. Vous savez, c'est des célèbres grenades qui nous aveuglent. Voilà, je vais pas me faire tuer, par contre. Voilà, parce que... ouais, ah, côté du bus. Voilà, ils sont très très malins, les mecs. Il faut savoir que... Voilà, ils sont très très malins. Hop, je crois que je l'ai pris. Ouais, j'ai pris leurs armes, par contre, qui est très très précise. Oh, bordel, il y en a un qui est à terre. Voilà, il va falloir aller le soigner. Je gère, ouais, je gère pas trop. Oh putain. C'est moi qui y passe, allez les mecs. Voilà, lui il est fait, c'est bon. Allez les mecs, allez. Merci les gars. On y va debout, à la barbare. On se met couvert. Et là il faut repasser en vue. En vue de nuit. Ah ouais, mais non, mais là le mec. Voilà. Ouais, et bah ça sent vraiment le roussi, c'est qu'il y a de la... Wouah, ils sont très très chauds. Vous avez ça, ils viennent carrément sur nous, quoi. Il faut que je recharge. Ouais, il est là-bas, lui. Je crois que je l'avais pas vu. Ils sont près du but. Voilà. Je l'ai abattu. C'est bon. Oh, lui, normalement, c'était le... Normalement, c'est le... RS. C'est bon, parfait, on peut y aller. Hop. On passe en vue de jour. Ah, c'était chaud. Vous avez vu ça? Je vous l'avais dit que ça allait bouger un petit peu. Mais bon, c'était pas quasi coup sûr. Allez, go. Donc, on a la voiture, c'est bon, c'est parfait. Donc, il va falloir la prendre. Alors, je sais pas si les gars. La cible s'est enfuie. Overlord, Hunter, vous pouvez localiser la cible? C'est un portable?
C'est une bombe, oui. Je sentais la merde. Déjà dans le premier épisode, c'était ça, dans la première cinématique, c'était une bombe. Oh non. Non, ils sont pas morts quand même. Hunter ici Overlord, vous me recevez? Répondez. Oh, on est tout seul. Ah non, on n'est pas tout seul. Ça va. Ils sont un peu sonnés, mais ça va. Overlord, Hunter est indemne. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture du vendeur a été piégée. Et la cible? Le vendeur s'est emparé d'un véhicule et il se déplace. Vous devrez suivre sa piste depuis les airs. Les hélicos vous attendront au point de rendez-vous. Reçu, on y va. Wow, my god, c'était chaud, quoi. Super bien foutu. J'adore. On a repris la main. Ok, on y va. Check, mec, check. Ils ont checké. L'identité du vendeur est confirmée. C'est une Russe. Katia Prugova. C'est une fille. Voyez, je vous l'avais dit que c'était une gonzesse. Nous activons nos réseaux pour tenter d'en savoir plus, mais ce qu'on a déjà sur elle n'a rien de rassurant. D'après les premiers rapports, elle serait de mèche avec une société internationale d'import-export qui tremperait dans le crime organisé. Le genre de société qui donne dans le trafic d'armes, le blanchiment d'argent et l'assassinat. Si elle parvient à nous échapper, on pourra toujours courir pour retrouver sa trace. La défense est impliquée et nos agents de la NSA ont un dossier sur elle. Mais rien ne vaut un face-à-face. Il nous la faut vivante, messieurs. Ouais, allez dire ça aux voisins. C'est le branle-bas de combat, à croire que tous les tireurs du coin sont sortis s'amuser. Vous allez devoir les farcir avant de pouvoir l'arrêter. Je compte sur vous. Nos appareils n'ont pas assez d'autonomie pour la poursuivre jusqu'en Afghanistan. Si elle passe la frontière, c'est terminé. Bien sûr, Overlord. On s'en charge. Ok, donc c'est pas fini encore, les amis. Nous allons encore détruire des véhicules escortes. Ouais, ok. Comment je vais faire? Contact à gauche. 4 ennemis. Hop, c'est bon. En fait, les mecs, ils mettent bien. Hop, c'est bon, oh ouais d'accord, ça va. Heureusement qu'ils sont désignés quand même. Lance-roquette, faites gaffe. On a repris la main. Wouah, c'est chaud quoi. Oh. Mais c'est de la balle. Tire avec tout ça. Concentrez-vous sur les véhicules d'escorte. N'attaquez pas l'objectif, je répète. N'attaquez pas le véhicule de la cible. Bah, je vais les laisser. Quelque chose où on est bon pour le cimetière. Non, je vais pas mourir. Je veux pas. Oh non, téléphone encore. On va laisser sonner. Hélico ennemi, on approche. Oh. On se fait laminer. Go. Allez, faut se le faire. C'est genre. Pression. Allez, c'est fait. Il est ouais, tué. On domine. Wow. Ouais, c'était qu'à de dire. Faut pas, okay, par contre, péter le véhicule escorte parce que c'est lui qui va... Oh, doucement, Coco. Oh, merde. Ça devrait l'arrêter. Oui, c'est moi sûr. C'est moi sûr, mais à mon avis, ça va encore pétarader dans tous les sens du terme. Je te sens bien. Capturer vivant. Donc allez, c'est parti, on y retourne au turbin, on va travailler comme des... on va encore retourner encore au boulot comme des fous. Allez, go. Hey les mecs. On l'a coincé, nettoyez la zone. Objectif, prendre le vendeur. Ciblateur. D'accord, ok, cadavre découvert, ils oh merde. Message. Merde, ils ont un 4-4. Bah ouais, mais les mecs... Derrière. On se recharge. On se recharge, oui. J'ai plus de balles. Putain, j'ai plus d'armes. J'ai que gobelins et gobelins. Droite devant
couvert, vite. Wow. Activé. Oh bordel, ils sont chauds, ils sont partout. Là c'est vraiment moins de la mission de fou quoi. Je suis fixé. Cible abattue. Oh oh Raph, mais barre-toi. Ah, je me suis fait toucher. Eh merde. Bon écoutez, sur ce les amis, ce que je vous propose c'est que moi je termine la mission et puis on se reprend pour le prochain épisode parce que là ça va faire peut-être un peu trop. Quoique, allez, soyons fous, vous savez quoi, ça durera deux heures. Mais bon, au moins quoi qu'il en soit, on l'aura repris et on aura bien avancé. Allez go, on recommence. On l'a coincé, nettoyez la zone. Allez, objectif, prendre le vendeur. Ouais, ça va, on reprend plus de là. Je pensais qu'on reprendrait plus loin, mais bon, ce n'a pas été facile. Donc il va falloir passer un endroit assez difficile. Ils ont amené des renforts. Bah ouais, tu m'étonnes. Attends, ils vont pas se laisser marcher dessus les mecs. Ils se redéploient. Est-ce qu'on peut rentrer dans la porte? Camion ennemi. Sur la droite. Ouais. Hop, voilà, comme ça c'est... on se l'est fait. À 12h. C'est un soldat. Oh, je l'ai eu, oh! Le flanc droit, à droite! Ils passent à droite! Ouais, ils sont malins, ils sont super intelligents! Grenade! Oh non, Raph, meurs pas! Allez les mecs! Après, il y a des bombes, c'est vrai qu'on peut rien faire du tout, elles nous font vraiment mourir sur le coup. Allez les mecs! Il n'y a pas qui va venir m'aider, hein! Allez! Ah, mec, je pouvais me déplacer! Ah, bah, c'est fini pour nous! C'est fini! Ah, bordel! Bon, bah, on y retourne! Allez, au go! Oh, j'espère que ça vous fera plaisir, il y a. Plaisir, excusez-moi! Ça va durer un peu plus de. Presque une heure dix d'épisode, ouais, ça fera un peu long! Ah mais bon, j'espère que vous y serez servi. Éliminé. Ça me ferait plaisir. Alors, cadavre découvert. Alors, on va rester debout parce que de toute façon, ça sert à rien d'essayer ça. Parce qu'on court plus vite comme ça. Allez, on y va. Ils sont en mouvement. Ouais, mais... Camion en vue. Sur la gauche. Autre charge. Allez, c'est bon. Non, mais lui, normalement, il veut pas mourir. Hein. Voilà, c'est fait. Ils sont un peu de partout, les mecs. Hein. Bon, on va passer comme ça, allez, hop. Wow, ils sont tous là. Oh là là. Là, je vais pas avoir assez de balles, les amis. Oh, bordel. Bombe. J'ai pas passé comme ça, j'ai passé comme ça. Wow. Attention, il y a des renforts ennemis. Défendez l'endroit et cherchez à passer. Bien ouais. Pris. Attention, sur la droite. Mobile, vers position. Ouais, ils sont chauds. Je vous le dis, moi. Ils sont là. Contact, oh, putain, en plus, les murs, ils se cassent. Oh. Ouais, ils sont tous là. Je l'ai abattu. Allez, on peut y arriver. Allez les mecs, allez. Allez. Je vous parle pas beaucoup parce que je suis vraiment à fond dans... Voilà. Zone nettoyée. Ouf. Eh ben, c'était pas facile, hein, je vous l'avouerai. Hein. Est-ce qu'on a une caisse d'armes? Allez, faut aller chercher le colis. Par contre, il est où? Il est par là. Ah, il est là-bas. Il y a une caisse d'armes, c'est bon, je peux recharger mes armes. Parce que là, j'étais vraiment à fond dans les balles. J'en avais plus beaucoup.
Allez, go, on y va. On s'arrache. Mais oui, mais le colis, je veux bien, mais... Allez, faut y aller, faut y retourner. Bon, j'espère qu'il lui est rien arrivé à elle, par contre, parce que c'est elle qu'on doit récapturer. Eh ben voilà. Vite avant que la voiture saute. Sonnez, mais vivante. Overlord, Hunter, cible appréhendée. Reçu, Hunter, ramenez-la. Enfin fini cette mission de fou. On a quand même fait 60 sur 100 points, donc ce qui est plutôt pas mal, avec des combats furtifs, des précisions, élimination rapprochée 0. Par contre, des tirs synchro, on a quand même fait 11, donc précision totale de 74,2%, ça c'est plutôt cool. L'unité Ghost a fait 60 points sur 100, bon c'est pas vilain, avec un usage d'armes de 12. On aurait pu faire mieux quand même, hein. Voilà quoi. Hein. Ensuite, nous avons la précision totale, le tir à la tête 4 et perte civile 1. Bon, après, on peut pas avoir tout rapidement, mais ça a été plutôt pas mal. Donc, on va faire continuer, mais ça sera que la prochaine mission, les amis. Donc, ce sera juste un avant-goût de ce qu'on va faire. Voilà. Alors maintenant, LB, vous verrez la trajectoire de votre grenade pour annuler le lancer, changer de gadget. Chargement. Normalement, c'est chargement, mais c'est sauvegarde. Donc, vous voyez, les amis, on a plutôt bien avancé. C'était plutôt cool. Donc, je voulais revenir un petit peu à un sujet que j'ai déjà parlé sur farming. Et je vais se regarder ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, mon Dieu, dans la neige. S'y coller, ça dépend. Tu veux être pris pour cible? Y'a que la défense qui est capable de débourser 60 millions pour engager une putain de babysitter. Bon, ben, toi l'honneur, ma biche. Kozak, code de vérification. Alpha 2, 9, Yankee 7. Ghost Leader, code de vérification. Whiskey, Bravo 4, unité Foxtrot. Pepper, code de vérification. Unité 6, Hôtel, Mike 3. Je veux essayer. Hé, hey, tas de ferraille! Reine d'Angleterre! Oh! 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 Code de vérification, Charlie Unité, 2 unités, novembre! Fais chier. J'ai regretté d'avoir dit Reine. T'as gagné un nouveau surnom. Oh bordel! Maintenant, on va avoir un robot avec nous. C'est quoi cette affaire? Tia Prugova, un ex-agent du KGB parfaitement introduit dans le milieu. Il nous faudra un certain temps pour identifier ses commanditaires. Et je crains déjà le pire. La Russie, la pire destination possible. Mais c'est en Russie que la piste aboutit. On n'a pas le choix. D'après Prugova, ses complices se servent d'une station météo désaffectée proche de la frontière norvégienne comme zone de transit. Tout ce qu'on sait, c'est que la station est divisée en deux sections distinctes. À vous d'identifier la nature des opérations. Menez l'enquête et vaporisez le complexe. Allez. Donc les amis, vous pouvez voir maintenant la prochaine mission qui nous attend. Voilà. Donc, je voulais vraiment revenir à ce sujet, les amis, que je vous avais parlé sur farming. On va faire un retour. Voilà. Je tiens vraiment à vous parler du petit sujet que j'avais parlé un peu sur farming, qui était des pouces rouges, les amis. Je tiens à en parler avant de couper la vidéo quand même. Donc, je tiens bien à le dire et à le redire. Voilà, je ne le répéterai pas, ça c'est clair. Quand on me met un pouce rouge, j'aimerais savoir la raison pour laquelle j'ai pris un pouce rouge. Parce que sans raison, vraiment, qu'on me donne, je ne pourrais jamais m'améliorer et éviter de refaire la même erreur pour que je ne puisse pas prendre de pouce rouge, tout simplement. Je ne dis pas que c'est un mal. Mais prendre un pouce rouge, c'est soit parce que l'épisode n'a pas plu et il y a eu une connerie à quelque part, il y a eu une erreur à quelque part, une chose comme ça. Et j'aimerais savoir le problème. Tout simplement, j'aimerais savoir pourquoi la nature du pouce rouge. Tout simplement, on ne met pas un pouce rouge sans raison. Je ne vais pas mettre un pouce rouge à quelqu'un, un exemple les amis, un youtubeur, si je ne donne pas ses raisons. Si j'ai mis un pouce rouge, c'est parce que soit il y a un truc qui ne m'a pas plu durant l'épisode, soit l'épisode ne m'a pas plu tout court, mais j'aimerais savoir pourquoi. Et je sais que moi, quand je mets un pouce rouge, je le précise pourquoi. Je ne dis pas, je ne reste pas sans rien dire. Parce que ça permet déjà aux youtubeurs de s'évoluer, de modifier un petit peu sa façon de faire. Et
Et il se rappellera que le pouce rouge, il l'a pris grâce à ça et qu'il ne recommencera pas la même chose, tout simplement. Donc, je tiens bien à le dire, j'aimerais avoir des détails sur les pouces rouges. Quand on m'en met un, j'aimerais savoir pourquoi. C'est pas compliqué, c'est une explication. On me dit tout simplement pourquoi. Et moi, ça me permettra de me faire évoluer, de réussir un peu mieux ce que je fais. Voilà. Donc sur ce les amis, moi en tout cas, après cette petite brève d'explication, je ne manque pas grand chose. Mais en tout cas, moi j'espère que cet épisode d'aujourd'hui vous aura vraiment plu. Malgré que c'était un peu difficile, nous avons recommencé plusieurs fois et la durée un peu plus longtemps qu'en temps moyen. Mais bon, en attendant, j'espère que ça vous fera plaisir, que vous êtes contents, vous avez un long épisode à regarder. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien. Salut à toutes et à tous.